place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras et la souris. Il avait de cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, on a chanté et puis on a débouché en riant en avance. Une champagne de France, on a dansé. La 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 la. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis restée seule avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui les servirai de guide, Nathalie. Love.